Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Bonsoir, nous sommes le vendredi 2 février, c'est l'ABC week-end, fin d'une semaine riche en témoignages, des témoignages incroyables qui donnent envie de dire « c'est pas vrai ». J'ai cliqué sur, sur le lien sur Facebook et donc après bah voilà, j'ai fait mon shopping en ligne. On a même vu l'hélicoptère avec le truc qui va chercher l'eau dans la rivière. Le premier réflexe de la journée quand on arrive, on enfile nos doudounes. Je viens toutes les semaines et je suis pas contente quand ils ne sont pas là. J'éteins mon ordinateur, j'éteins l'écran. C'est mon salon et ma cuisine ouverte. J'entends danser. C'est pas vrai! À la une de ce vendredi, suite et fin de la nouvelle saison de notre série préférée, la déclinaison française d'House of Cards, Château de Cartes, starring Xavier Bertrand, qui se prend toujours pour le Frank Underwood des Hauts-de-France. Et aujourd'hui encore, Francis Soubois a fait ce qu'il préfère faire, régner la terreur. Celles et ceux qui arrivent en retard peuvent le faire en silence d'arriver. Déjà, ça se passe pas comme ça. Ah non, c'est bon. L'Union Européenne. Deux minutes, un rappel au règlement. Le contournement du règlement, au bout d'un moment, ça suffit. Attendez, monsieur Pip, vous n'avez pas la parole. Si on peut avoir le scrutin ouvert, c'est cool. Oui, c'est très cool. On ne demande pas la lune non plus. Non, sympa. Un Francis mystérieux, incroyable rebondissement dans l'épisode du jour avec un complot. Et attention, ce n'est pas un petit lièvre qui s'apprête à être soulevé. Je pense que ce qu'on est en train de soulever là n'est pas un petit lièvre. Je pense qu'il y a aujourd'hui des choses qui nous ont été facturées qui n'auraient pas dû l'être. Et si tel est le cas, je me réserve le soin de proposer à l'Assemblée régionale d'engager les suites qui s'imposent. Oh la vache. Mon Dieu, vivement la prochaine saison, je compte sur vous pour mener l'enquête, Francis. Et au Conseil régional, l'interruption de séance a été très mal vécue par ceux qui n'attendaient qu'une chose, rentrer chez eux. Je souhaiterais demander une coupure de séance de 15 minutes, s'il vous plaît. Elle est de droit. Elle est de droit, merci. Elle est de droit. Nous reprenons donc à 17h10, 5. C'est pour le TGV, c'est pas de bol. Pas de bol. Quand même, un dîner avec des pains surprises, enfin bon. Séance un poil tendue, notamment du côté de M. Christophe Coulon, c'est son nom. Alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir découvert l'Amérique qui le met dans cet état. Vanne de vendredi. Parce que ça. Le saumon, c'est nickel. J'ai pas été fan. Il aime pas le saumon. J'aime le saumon. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Comment? Pardon. S'il vous plaît. Autant pour moi. Il y a un problème avec le saumon. Non, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas dérangé la bruit de M. Chameroy qui a été mis. Pas terminé, vous êtes chez vous. Christophe Coulon, donc, n'a rien à voir avec le navigateur, a été colère. Je vais le dire comme ça. En direct. Mais vous arrêtez de faire le guignol, monsieur Dufossé. À chaque fois, vous faites le guignol à gesticuler et interrompre les gens. Vous êtes fatigant. Vous êtes fatigant. Vous gesticulez comme ça, là, 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 comme une marionnette. Taisez-vous quand on parle. Wow, on se calme. On va faire un tour sur la Pinta ou la Santa Maria et on se calme, monsieur Coulon. Dans le reste de l'actualité, Nicolas Dupont-Aignan, qui est tout fier, puisqu'il a trouvé une nouvelle métaphore concernant l'Europe. Si je devais prendre une image que j'ai prise, l'Union européenne d'aujourd'hui, c'est un immeuble. Moi, je ne veux plus rester dans cet immeuble. L'Europe d'aujourd'hui, si je devais prendre une image, oui, c'est un immeuble. Eh oui, et il est tellement fier de cette trouvaille qu'il la rabâche sur tous les plateaux depuis des jours jusqu'à l'usure. Si je prends une image, on est dans un immeuble. Ouais, on a compris et ça finit par fatiguer tout le monde. Chaque pays sera une maison avec son jardin, sa clôture, son indépendance. Et nous, on clôt cet entretien. Merci. Voilà, parce qu'on n'en peut plus de cette métaphore d'immeuble. Tout autre chose, parce que je n'ai pas de transition, on a encore croisé tout un tas de stars cette semaine dans les JT, le seul gratin de la semaine, ni plus ni moins. Éric Dupond-Moretti en satinette au dancing. Plastique Bertrand, ça fait plaisir d'avoir ces nouvelles. Élise Lucet en pleine enquête. Florent Pagny. François Cluzet, que je suis pas ton fils. Michel Sapin. Véronique Genest. Patrick Balkany. Henri Lecomte qui s'est mis à la mandoline. Et Édouard Balladur qui a fait les implants. Et ça lui va vraiment à merveille. Le dicton le dit, youpi c'est vendredi, l'heure de revenir sur une semaine d'émission précédemment dans C'est à vous, il était temps que ce mois de janvier se termine. Merci Gavin. Merci. Merci Xavier Niel. Ces pièces d'or en or qui datent de l'époque romaine. Pièces d'or en or ? Ouais, des pièces en or, pardon. C'est 2000, combien la fin des grosses têtes ? Et c'était avant ou après son César et le magnifique discours qu'elle vous a adressé ? Avant. Votre prochain livre, Revivre, connaîtra le dernier adversaire de ce groupe. Des punchlines. C'est quand même une zinzinterie. Revenez quand vous voulez sur ça, il pue le...
pas le sens de cette phrase. Parmi les moments forts de cette semaine, l'édito de Patrick Cohen consacré à la crise agricole, une fois de plus, factuel, clair, net, précis. Patrick, qu'est-ce qui pourrait calmer la colère agricole ? Je crois que personne n'a la réponse. Merci Patrick. Droit au but. Prisca Thévenot, qui était l'invité de cet à-vous cette semaine, la nouvelle porte-parole du gouvernement, et ses annonces ont vraiment captivé Babette. Nous pouvons prendre en place et mettre en place des mesures immédiates, mm-hmm. C'est ce qui a été le cas vendredi dernier, qui est le début, aussi bien quand il était à ma place, porte-parole-là. D'où vient ? Gardons d'où vient. Effectivement, par exemple, de mesures ont été annoncées dès vendredi dernier, immédiates, c'est ce qui a été le cas vendredi dernier, et des biens. Il y a un travail parlementaire, parce que quand une loi, la précarité... Ah, et qui a contaminé Patrick. Ah bon ? Attention, allez, blind test surprise avec Corinne Touze et Pascal Légitimus et Annie Dupéré. Vous commencez, je crois, tout juste la répétition, ouais, tous là, ensemble. Là. C'est-à-dire là, même là, en ce moment. Eh ben oui, c'est I Will Survive, personne. Mohamed, un point pour Mohamed. Et puis vous êtes inquiets, vous êtes nombreux à vous poser la question. Qu'a donc voulu faire Patrick mardi ? S'agissait-il d'une partie improvisée de Trivial Pursuit ou tout simplement d'un AVC ? Le mystère reste entier. Très peu de jours, c'est Jacques Brel qui disait ça dans... Oh là. Dans, dans l'emmerde. Bref. Voilà. L'aventure, c'est l'aventure. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, surtout, note pour plus tard, ne tentez jamais de venir en aide à Patrick. Il y a quand même Pierre qui tente un truc. Non, pas du tout. Mais non, mais c'était. C'était quoi au final ? C'était l'emmerdeur. Ah, ah bah. Tiens. Oui. Hein ? C'était rien, c'était je suis très Peugeot, voilà, c'était pour ça, c'était pour ça. Oui, on sait Patrick. Ah bah si je vous gêne, vous me dites. Mais pas du tout. Les invités qui cette semaine étaient venus les mains dans les poches, astuces pour avoir quelque chose à répondre, ils ont répété ce qui venait d'être dit. Il y a un consensus, quoi, dans le rapport. Il y a un vrai consensus. Et c'est ça qui l'a rendu célèbre. Et c'est ça qui l'a rendu célèbre. Parce qu'elle tue. C'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Une dinguerie. Non, une zinzinterie. Mais il s'est passé tout un tas d'autres choses cette semaine. Tour de force, Babette est parvenue à faire 12 promos en une. Allez au cinéma, achetez les livres, branchez-vous sur l'INA. Voilà, allez, hop, Patrick totalement imprégné par l'émission. Voilà, en direct. Hein. Le président du fan club de Laurie s'appelle Mohamed. Ce qui a surpris Babette. Petit sifou. Ah, mais les paroles, ce con. Grand perdant du ni oui ni non, Laurent Ruquier. Il fait une obsession pour la Joconde. Ben oui. C'est très pédagogique. Ah oui. Elle est drôle. Ben avec oui. Vous. Et il était temps que le week-end arrive, Mohamed. 14h à la rédaction, Mohamed prépare sa story. À fond l'actu. Allez, tous au dodo, l'info revient lundi. Bon week-end.